On n'a pas commencé la saison de la meilleure des façons, par deux défaites à Limoux et à Avignon. Ça nous tenait à cœur de montrer qu'on voulait faire quelque chose cette année en se reprenant contre Albi à la maison, chose faite. On voulait aller chercher quelque chose à Lézignan, on y échappe de très peu, on regagne contre Toulouse à la maison. Je pense qu'on est sur quelque chose de positif. Et là, ce week-end, on a un déplacement à Carca pour aller chercher encore peut-être une victoire et que du mieux. Oui, bien sûr, ça sent même au niveau des entraînements. Je pense qu'il nous fallait peut-être ces deux premiers matchs où on a fait un très mauvais match, on a reçu. Peut-être qu'on redescende un peu sur terre et ça nous a mis les idées en place. Donc ça nous a permis de travailler sur des bonnes bases, voir ce qui n'allait pas. Et comme ça, là, c'est que de la montée et j'espère que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin de la saison. Les objectifs de la saison, c'est bien sûr si on peut finir dans le top 3, même de premier et deuxième. Parce que je pense que cette année, on est encore une équipe rajeunie, personne ne nous voit finir dans le haut du tableau. On essaie de travailler dur pour ça et après, au point de vue individuel par rapport aux joueurs, s'il y en a 4 ou 5 ou même 1 ou 2 qui peuvent monter, s'entraîner avec le groupe pro, ce serait très bien, je pense, pour l'effectif. Alors, pas de la première moitié du début, on dira. Sur les deux premiers matchs, on a plutôt été très, très négatif au niveau des attitudes. On est, on va dire, satisfait depuis qu'on a attaqué le bloc de Talbi. Voilà, ça fait 3 matchs et on veut bien finir ce bloc de 4. L'âge du groupe s'est énormément rajeuni par rapport à ce que moi à l'époque quand j'ai entraîné j'étais aussi joueur et quand j'étais avec Steve Dukin. Donc l'âge s'est encore bien réduit, forcément une expérience en moins mais en même temps une autre énergie, donc il y a aussi du positif. Oh, ça reste les mêmes depuis le mois d'août, c'est-à-dire vraiment faire évoluer ce groupe en essayant d'en tirer un maximum vers le haut. Et en espérant que quand McNamara aura besoin de jeunes, qu'ils puissent s'appuyer sur eux déjà dans un premier temps à l'entraînement, et puis si plus si affinité. Ah, complètement. S'ils sont là, c'est qu'ils espèrent pouvoir évoluer en Super League. Évoluer en Super League, ça va imposer des gabarits, de la vitesse, du rythme, de la technique. Donc plus on aura de grosses oppositions le week-end en élite, et mieux c'est.